Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Vous qui nous écoutez à travers le monde, de près et de loin, comme vous le savez déjà, je suis David Siraï. Vous écoutez l'édition Hébreux 13:8 chaque dimanche à partir de 7h30. Soyez branchés et soyez bénis. On revient. On salue tous nos auditeurs, tous les téléspectateurs, téléspectatrices à travers le monde. Vous êtes branchés sur l'édition Hébreux 13:8. On vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez branchés. Yondi Lot, édition Hébreux 13:8 est dans l'air justement pour éclairer concernant la Bible. Alléluia. Merci Seigneur. Bédson Noël, mon cousin, que le Seigneur te bénisse. Ou écouter édition ça depuis La Roye, quartier natal, nos zones côté nous prend naissance. Dis toute zone là que édition Hébreux 13:8 est dans l'air. Yes, frère Saint-Just Patrice, PDG Radio La Foi Apostolique. Moi, saluer aux éditions Hébreux 13:8, saluer aux pasteurs, c'est bien qu'à juste à Saint-Domingue. L'édition Hébreux 13:8, saluer mon ami à toutes amies, toutes frères avec sœurs. Restez branchés. Alléluia, pasteur Gabriel Némi. On vous salue, mon ami. Dans le plus grand nom de la terre, le Seigneur Jésus-Christ. Soyez branchés, yondi lot.
édition Hébreux 13, dit dans l'air. Nous allons traiter un sujet réellement important. Très important. Pas oublier. Édition Hébreux 13, par ses musiques. Mais en dans musique, il n'y a pas d'inspiration divine. Édition Hébreux 13, pas prêcher ça, ou gain vision pour aller dans le ciel, faut faire effort. Hey! Bah, quoi, non? Moi, pas quoi. Musique là dit Jésus a venu. Mais sous les Jean 14, Jean 16. Alléluia! Jésus est esprit. Il est en nous. Maintenant, il est omniprésent. Bon, si vous avez besoin de plus, tapez David Sirai sur YouTube. Tapez David Sirai sur YouTube. Gagnez à peu près 300 ou 400 de vidéos déjà préparées en études bibliques qui sont capables d'aider surtout les évangélistes à travers le monde. N'a demandé au suivre nous de près. Et on va constater que l'édition Hébreux 13 est réellement différent. Et c'est une édition qui là pour enseigner ou permettre ou apprendre des choses nouvelles. Assoya, avant même nous aller en prière, n'a traité pour vous, comme on dit, en joignant ou elle sur écran, les démons de l'Ancien Testament étaient des idoles. À ce moment-là, on connaît démons que la religion a prêché, là, c'est nettement différent de ça, la Bible enseignée. Démons que la prostituée, la mère des prostituées, véhiculée à travers les assemblées, c'est différent des mots que Babylone la grande publiée à travers le monde. C'est très différent avec ça la Bible enseigner l'église là. L'église qui c'est un sacerdoce royal. Qui c'est une nation sainte, qui c'est un peuple à qui nous pouvons constater réalité. Majorie Milor, une salutation spéciale, toujours dans le plus grand nom de la terre. Qui est le plus grand nom? Quel est ce nom? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom officiel de Dieu. Restez branchés et partagez émission. Leur partagez émission pour permettre aux amis d'écouter Jean te croit. Et Jean te croit très très mal. Hey! Ou va aider ou à faire un travail d'évangélisation. Restez branchés. Sujet nous à soya. L'actualité de ce soir, c'est les démons de l'Ancien Testament étaient des idoles. Et nous allons montrer comment elles fonctionnaient, comment ça a été dans l'Ancien Testament et comment ça y est dans le Nouveau Testament. Le frère Moïse Jacques, saluez-vous. Mon petit volume, un bon petit volume. Oh, baissez volume dans tout petit. Merci en pile. Merci, 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 merci. Li bon là? D'accord. Merci en pile. En nous la prière pour nous rentrer exactement dans la Bible parce que nous tellement gagnons des choses bibliques,
des choses qui réellement inspirées de la part de Dieu, nous pas gain temps, mais nous saluer tout le monde, quel que soit pays qu'on va vivre, nous saluer où? Nous saluer où? Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est plus belle salutation que yon zami avec un lot zami capable yon lot. Nous saluer télé Facebook, que le Seigneur permette que l'évangile capable circuler à travers le monde, télé YouTube, de grands médias, que le Seigneur fait monde évangélique là cadeau, son bénédiction, et n'a continué jouir bénédiction ça. Merci en pile. Prions le Seigneur. Père céleste en Jésus-Christ, notre Dieu, le plus grand nom de toute la terre, le nom qui est au-dessus de tout nom, dans les cieux, ce nom est grand, ce nom est plus grand. Sur la terre, ce nom qui est le Seigneur Jésus-Christ est grand, est plus grand sur la terre, le plus grand nom. Sous la terre, ce nom est grand, le plus grand nom. Que l'inspiration de ta parole mandène, que tout genou doit fléchir devant ce grand nom, que nous doit fléchir devant ce grand nom. Toutes les nations qui respectaient, qui croient dans un créateur qui créait toutes choses, eh bien, le nom de ce Dieu qui n'a pas adoré à Soya, c'est le Seigneur Jésus-Christ, que tout genou doit fléchir. Seigneur, nous adorer ou pour sourier, nous adorer l'omniprésence. L'omniprésence, c'est un mystère dans la vie, nous, et dans la vie, le monde. Pendant qu'on a adoré ou là, ou régner dans que nous, en tant que roi. Ou régner dans la vie, nous, en tant que roi. Oui, Seigneur, ou porter la désignation comme le roi des rois. Le roi, c'est toi. Et les rois, c'est nous qui régnons dans la vie, nous, à travers. Je nous crois dans vous. Nous adorons l'omnipotence. Ou ces pouvoirs, ou pas seulement au Dieu, qu'un pouvoir, mais où ces pouvoirs. Car vous déclarez la parole ou toute puissance, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Merci pour ce grand pouvoir qui n'a pas adoré à soi. Pas d'aucun autre pouvoir qui est plus grand que ce pouvoir que nous sommes en train d'adorer. Nous adorons pour sourire. Nous adorons l'omniscience, la plus grande science du monde. De toute l'humanité, c'est toi. Tu es l'omniscient. Tu connais le passé. Tu connais le présent. Tu connais le futur. Rien n'est caché devant toi. C'est la raison pour laquelle nous lever, nous présenter pays natal, nous devant Haïti. Namando dans le nom de Jésus-Christ, que grâce soit capable de manifester à travers le pays d'Haïti, car où c'est papa toutes les nations, bien que ayons distinction entre papa toutes les nations socialement pour prendre soin yo. Et papa, si la yo, spirituellement. Oui, Seigneur,
nous adorer ou vous auriez. Que chaque auditeur, auditrice, à travers les stations de radio qui relayaient Édition Ebou 13-8, capable, fléchi, genou, créyo devant ce grand nom. Que le monde entier, capable de reconnaître ce grand nom. Apprendre et permettre le peuple capable de sortir dans l'ignorance. Et qu'on s'assit là, yo. Te réclamer par ton bon esprit, capable de venir avec vous, venir dans la bergerie. Parce que vous dites, il y a un groupe qui est déjà dans la bergerie. Et vous, l'autre groupe, vous demandez, faut qu'on ramène yo à la bergerie. Merci. C'est au cap faire. Ou gen l'heure pour faire, ou gen moment pour faire. Nous comptons pour sou et chaque ami qui branche actuellement permet de va des bénis et des sauvés pour la plus grande gloire de ton nom. Père, nous prions au nom de ton fils Jésus-Christ. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Yes! Les démons de l'Ancien Testament étaient des idoles, selon la Bible. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous t'arrêmons ou même cap coûter, ou bien cap garder Édition Ebou 13-8. Nous avons besoin pour un petit temps pour capable réfléchir d'une autre manière. Raison, d'une façon que ont enseigné nous la Bible qui très très mal présentée à nous. C'est pas la Bible qui problème non, mais plutôt les enseignants de la Bible. Il y a des enseignants qui enseignent la Bible, mais qui n'ont pas l'inspiration de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est autre que l'inspiration de Dieu. Donc, par contre, nous enseignons très très mal. Raison. Nous gagnons un système qui véhiculait à travers le monde, qui présentait nous des enseignants de la Bible, mais des enseignants selon la chair. Or, la chair et le sang pas capables d'enseigner la Bible. Le plus grand livre, la sœur Bernadette Mathurin, saluez-vous dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, la chair, le sang, pas capable de comprendre la Bible. L'interprétation philosophique, pas capable d'interpréter la Bible. Donc, c'est la Bible qui dit ça. La Bible, toute la Bible de Genèse jusqu'au Apocalypse. C'est l'inspiration de Dieu, c'est le souffle de Dieu. Donc, on a besoin d'abord l'Esprit de Dieu en nous pour aider à comprendre la Bible. Yon apôtre yo, Pierre l'apôtre, dans 2e épître de Pierre, chapitre 2, chapitre 1er, verset 20, li, Dieu te getan inspiré pour le quitter pour nous. Nous-mêmes,
qui est devenu des enseignants de la Bible pour ne pas enseigner la Bible selon la chair et le sang. Car il est dit dans le verset 20, chapitre 1er, 2e épître de Pierre, chapitre 1er, verset 20, il est dit. Parce que nous allons faire un parcours sur les démons de l'Ancien Testament. Comment ça a été? Ils étaient des idoles. Et pas grand rien de changement. Ça a trouvé dans l'Ancien Testament. Donc, c'est lui-même qui rapportait d'une autre manière dans le Nouveau Testament. Voyons, parce que nous adorons le même Dieu. Les dieux d'hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Par contre, verset a dit, dans 1, 2e épître de Pierre, chapitre 1, verset 20, avec moi, gardez texte. On garde ensemble, parce qu'on a fait la Bible. La Bible, c'est le plus grand livre du monde. Merci, le plus grand livre du monde. Ah, m'salue, omre, l'obare, retourne m téléphone dans bac. Frère Prince, frère Marcelin, mon ami. Kende là, gloire à Dieu. Sachez, tout d'abord, vous-même, sachez, Pierre, qui c'est yon en béni de Dieu, yon en prédicateur de la parole de Dieu, il a dit, sachez, c'est un ordre, c'est pas Pierre qui parlait, mais c'est le Saint-Esprit en Pierre qui parlait. Sachez, c'est un ordre de la part du Saint-Esprit. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est clair. Verset 21. Car ce n'est pas une volonté d'homme. L'Esprit Saint a parlé à nous, en nous. Ce n'est pas une volonté d'homme. Retirez Pierre. Pierre n'a pas fait moun. Pierre seulement recevra l'Esprit Saint comme nous. Recevons l'Esprit Saint, la puissance de Dieu qui est en nous. Et puis, d'après expérimenté. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'aucune prophétie a jamais été apportée. Mais, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. S'il existait, s'il y avait un Saint-Esprit à l'époque, le Saint-Esprit n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est autre qu'Élohim. Ce même Saint-Esprit, l'Ipagon époque, il est, d'après Hébreux 13, 8, il est le même. Hier, façon de enseigner Pierre, c'est façon ça l'a enseigné nous aujourd'hui. Façon de enseigner disciples comme, disons, comme des élèves, c'est façon ça. La pensée nous jodi. Façon te enseigner. Modèle l'église là, qui c'est l'église primitive là,
C'est façon ça la pensée aujourd'hui. Notez, chers téléspectateurs, téléspectatrices, la religion, c'est un cancer à travers le monde. Quel que soit position le prend, son cancer pour le monde entier, pour le monde évangélique là. Donc, faut souligner ça. Maintenant, il est difficile pour comprendre la Bible avec propre interprétation, pas avec propre idéologie ou avec propre philosophie ou. Pas oublier, yo pote yon enseignement bas nous. Nous-mêmes, comme Haïtiens, pas oublier, c'est blanc qui pote l'évangile bas nous, Haïti. C'est blanc qui portait l'évangile ba nou Haïti. Ça veut dire, yo portion l'évangile selon idéologie yo. Donc, nous voulons attirer attention. L'évangile, nous les Haïtiens, nous devons arriver au moment que c'est l'Esprit Saint qui enseigne nous. Qui suscitait des hommes pour aider à comprendre parole ça, qui c'est l'évangile là, qui c'est ça aurait les bonnes nouvelles là, pour nous capables de comprendre très bien. Pas oublier, nous t'arrêmes prendre quelques dimanches, si Dieu le veut. Pour nous enseigner des expressions bibliques qui nettement même bagaille. Tel que le serpent ancien, le dragon, le diable et le Satan. À soi, on parle pas l'eau de les démons. N'a pas l'Ancien Testament qui c'est ancien époque là. Qui c'est ancien contrat avant de rentrer dans le nouveau contrat. Est-ce qu'on l'a même? Maintenant, nous prenons prouver des mots pas de gens yon bagay qui sortent le côté qui rentre sous selon la Bible. Nous prenons garder la Bible pour nous constater ça à soi. Tandis que yo pote la religion poton yon doctrine ba nou chaque jour régulièrement n'ap chasse démons. Mes amis, 2000 ans depuis n'ap chasse démons, excuse-moi. Donc faut démons an ta fini. Merci c'est Bernadette. Faut démons an ta disparaître 2000 ans depuis n'a chassé. Et c'est pas au seul monde qui a chassé. Mes amis, si Haïti chasse un paquet de démons, démons ça va pas venir aux États-Unis. Si aux États-Unis a chassé démons, mes amis, démons ça va pas au Canada. Si Canada a chassé démons, pas qu'à la France. Ça veut dire c'est pas un seul année, un seul jour démons a chassé. Chasser, yo poton religion ba nou, nous tellement confus dans la religion, nous di n'ap servi bon Dieu chaque jour et démon derrière nous chaque jour. L'édition Hébreux 13:8 pral di ou gon mensonge ki la. Nous pral aide ou comprendre ça. La Bible pral prouven que ça aurait les démons à chasser qui s'allier.
Est-ce que Bibou nan men? Parce que même parler pour les élus. Moun ki en bas life là, moi me considère comme des élus, des prédestinés, des sauvés. C'est difficile pour comprendre ni sous pas sauvé parce que l'inspiration de la parole de Dieu c'est seulement les élus comprennent. Notre sœur Betty destinée me saluer où que le Seigneur est capable de bénir. Oui. Maintenant c'est seulement les élus, les électés comprennent langage bon Dieu. Chaque royaume a un langage. Chaque royaume a un langage. Chaque nation a un langage. Eh bien, le royaume de Dieu a un langage. Et ce langage n'est autre que spiritualité. Ce langage est spirituel. C'est pas parler français, c'est pas parler belle créole, c'est pas parler anglais, c'est pas parler espagnol, mais le langage de notre royaume, qui est le royaume de Dieu, c'est le langage spirituel. Maintenant, la Bible montre que les démons à l'époque étaient des idoles. Or, la Bible pral montre exactement à travers sa Dieu Abdi avec le prophète Moïse. Il pral retracer des mots pour yo. Des démons à l'époque n'est autre que les maladies mentales qui seront punition le fait que Israël adorait idole. Idole signifie yon créature, yon objet. Yon objet qui pa gen yeux, qui pa gen pied, qui pa gen main, qui pa capable faire mouvement. Donc Israël décide adorer idole. Dieu pral puni Israël, le fait que Israël laissait le vrai Dieu, qui est le créateur de l'humanité, qui est-ce lié? Le Seigneur Jésus-Christ. La religion tombe dans la confusion. Dépendant la religion tombe dans la confusion automatiquement. Ou pral di gen Dieu, gen petit, gen Saint-Esprit. Non. Pour tout le monde qui est habitué à tendre édition Hébreux 13:8, si vous avez besoin de plus connaissant davantage, tapez David Siray sur YouTube. Et vous avez joint tout enseignement l'édition Hébreux 13:8. Maintenant, l'Éternel décide de frapper par Satan. Par yon l'autre être qui a pouvoir sous l'homme. Numéro 1, Dieu, c'est premier personnage de l'humanité. Deuxième personnage de l'humanité, c'est l'homme. Ça veut dire, pas qu'il y a aucun être qui est au-dessus de l'homme. Excepté Dieu, le Créateur. Sou d'accord, bon moi, amen. Sou d'accord, bon moi, alléluia. Ça veut dire louer soit l'Éternel. Dieu c'est le premier personnage de l'humanité. Notre créateur,
le créateur de toutes choses, mais elle place l'homme comme deuxième personnage. Parvin dit, c'est Lucifer. Parvin dit, c'est Satan. Parvin dit, c'est le dragon. Parvin dit, bagay sa yo. Ou mal comprendre expression yo. Par contre, yo lage ou nan jeune pour chasser yo. Et yo toujours existé. Yo lage ou nan veille de nuit pour chasser yo. Yo toujours été. Parce que ou kwe yo la, eh bien, c'est comme yo moun fou qui rete lap gade on bagay, lap dou li ouwe yon bagay, et puis l'on gade ou pa ouwe en rien. Et mais c'est la religion. La religion dou li ouwe diable. Moun tête droite gade yon pa ouwe en rien. C'est comme quoi on t'apprend la religion comme des fous. Donc, koutes, c'est pas yon être qui au-dessus de l'homme, qui frappe l'homme, c'est toujours Dieu. Le fait qu'elle place l'homme pour comme deuxième personnage de l'humanité pour contrôler le monde, ça veut dire lui mettre l'homme pour qu'il contrôle tout ça qui existe dans le monde. Donc si ta grand diable n'est si nda di gon diable, c'est à nous. Pas c'est à nous, c'est nous. C'est nous qui fait tête nous diable. Donc, et c'est nous qui fait tête nous démon. Donc, c'est nous deuxième personnage. Oubliez dans Genèse, chapitre 1er, chapitre 2. Dieu crée l'homme et ben, elle bail l'homme pouvoir sur toute chose sur la terre. Ça veut dire, m'pa kapra yon créature kem gen, alors yon être ou bien yon bagay kem gen pouvoir sou li, skoun ya se moi même qui diminue m pou mal adore yon bagay kem gen autorité comme supérieur. Maintenant, les Israël adoraient idole, c'est pas seulement Haïti qui servit idole, ça sorti dans la Bible, depuis dans peuple bon Dieu. Israël était le peuple de Dieu. C'est là Haïti, la plupart de nous, suivre exemple la manière là l'opron vaudouisant c'est la Bible mais le suivre la Bible mal li mal comprendre vaudouisant mal comprendre la Bible. Donc les Israël c'est des idoles, l'Éternel pas c'est pas l'autre être qui plus grand que l'homme qu'elle voit frapper, c'est Dieu même qui frappe l'homme. On nous garde dans Deutéronome 28:28, on nous garde pour nous. Deutéronome 28:28. Bon, verset qu'on y a. Deutéronome chapitre 28. On a regardé pour nous si c'est diable qui frappe l'homme. Les l'homme désobéit, bon Dieu. On regarde. Au commencement, c'est pas. C'était Dieu qui a toujours frappé l'homme. Eh bien, c'est Dieu. L'homme, étant que peuple de Dieu, rentré dans la désobéissance, c'est toujours Dieu. On a fait à Dieu, le créateur de l'humanité, n'est autre que Dieu. Deutéronome 28, verset 28. Deutéronome 28. Verset 28. L'Éternel te frappera, écoutez-vous, de délire, d'aveuglement. L'Éternel
te frappera. Il n'a pas dit Satan. De délire, d'aveuglement. D'égarement d'esprit. Pour si là, qui croit dans le grand créateur de l'humanité, les nations frappées que Dieu bien contrôle toutes les nations à travers le monde. L'autre dit c'est diable qui frappait, ça veut dire manquer bon Dieu des gars. Ou prend bon Dieu pour n'importe qui. Comme dans l'égarement, pas qu'on est, si c'est Dieu qui frappe ou. Ou même, ou prend langage religion, ou dit Satan frappe petitement. Satan frappe madame moi. Satan frappe Marine. Ça veut dire, ou dans l'égarement spirituel, ou pas comprendre. Tout chapitre l'a montré. C'est l'Éternel qui toujours frappe l'homme. Verset 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïde, des gales, l'Éternel, et de teigne, dont tu ne pourras guérir. Tu ne pourras guérir. L'on fait une maladie au moment où on va guérir, sauver. Au lieu de chercher Dieu, ou bien autant de la voix de Dieu, ou rentrer corps dans plus fait noir. Ou aller chercher l'autre créature pour dire sauver. Ou même à l'autre créature là, nous c'est même l'Éternel jaloux. Dieu pas d'accord. Que ou al devant yon l'autre créature. Moi son moun, moi son créature. Gon grande différence entre créateur et créature. C'est pas devant m'bouvini. C'est pas devant l'autre moun m'bouvini. Aucun pasteur m'bouvini. Mais c'est devant Dieu. Voyons. Donc, toute la Bible montrait que c'est l'Éternel qui frappait l'homme. Ça signifie l'Éternel frappait Israël de frénésie. L'elle frappait Israël d'aveuglement. L'elle frappait Israël d'égarement d'esprit. Ça expliquait l'association des démons aux aliénations mentales. Ça veut dire, ou tomber dans l'égarement spirituel, ou pas qu'on est pour identifier le vrai Dieu. Dieu utilise des maladies que la Bible relève des démons, des maladies mentales que la Bible relève des démons. Des maladies qui permettent ou troubler ou pas capable ouais le vrai Dieu, comprendre le vrai Dieu. Donc la Bible relie des démons. Maintenant, la Bible montrait que dans l'Ancien Testament, des maladies qui te qu'on frappé Israël, c'est l'Éternel qui utilisait maladie comme fouet. Alors, ma parle à des élus, des prédestinés, moun qui croient, qui utilisait des maladies comme fouet
pour fouetter peuple le fait qu'il tombait dans l'égarement spirituel, le fait qu'il tombait dans la désobéissance. Mais non. La Bible montrait que dans l'Ancien Testament, l'expression démon qui dérivait en grec, c'est daimonion. Qui identifiait pour idole. Ça veut dire ou bay bon Dieu, ou remè un bagay plus que Dieu. Donc, automatiquement, Dieu pas quitté ou en santé. Et ça va veut dire tout le fait que ou a servi des idoles, Dieu frappé ou pas des maladies, que de même tout, ou même qui au courant de la vérité, Dieu pas utilisé maladie pour le passer à l'épreuve pour le capable et identifier vrai loi, vrai croyant. Mais c'était toujours comme ça. Dieu était toujours utilisé des maladies. Les maladies viennent de Dieu. Combien de monde qui a dit amen, alléluia? Moun qui toujours voulait rester dit c'est Satan. Dans l'autre conception, ou mal comprendre. Toutes les maladies viennent de Dieu. Dans Deutéronome 32, verset 17, on fait un coup d'œil pour nous garder Deutéronome 32, verset 17. Deutéronome 32, 17. Deutéronome 32, verset 17, il est dit, ils ont sacrifié à des idoles. Dieu frappé yo de yon esprit d'égarement, qu'on y a ça fait, yo y a fait des sacrifices à des idoles, des choses muettes. L'homme tombait dans la confusion. Et puisque l'homme détournait de la bonne voie de Dieu, Dieu frappait l'homme. C'est Dieu. Pas X, pas Z, c'est Dieu. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu. À des dieux qui ne connaissaient point. Nouveau, venu depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint. C'est pas seulement Haïti qui trouvait la situation ça. Toutes les nations. Et yo prend coutume nan. Dans la Bible. Maintenant. Dans Somme chapitre 106 verset 37. On garde idolio. Psaume chapitre 106. Yo di an ap bay plus tek pou nou ede ou comprendre kek bagay. Verset 37. Souliye tek san.
Le fait que yo tombé dans l'égarement, ils sacrifiaient leur fils. C'est pas seulement le pays d'Haïti qui mangeait propre petite lit. Israël, peuple bon Dieu, ils sacrifiaient, Israël sacrifiait leur touye yo. Parce que tomber dans l'égarement, yo fait yo maladie, yo la maladie mentale, yo pas gain le bon sens. Ils sacrifiaient leur fils et leur fille aux idoles. Qui peuple qui t'a fait ça? Israël, le peuple de Dieu. Alors, la Bible, qui c'est l'inspiration de la parole depuis dans l'Ancien Testament, c'est toujours la désobéissance qui permet que Dieu frappe l'homme. C'est à travers la désobéissance que la maladie en vigueur, en action sur l'homme. C'est bon esprit qui sortit en l'air. C'est bon esprit qui le Lucifer. Que Jean la religion a fait chasser dans 40 jours. Mais chaque année 40 jours, n'a pas crasé tête Lucifer. Les têtes Lucifer étaient pidjam. Parce que peuple a dans l'égarement. On quitte la Bible parler. Psaume chapitre 106, verset 36 à 39. Le même chapitre. Verset 36 à 39. Verset 36 à 39. Ils servirent. Israël, oui. Israël. La Bible pas écrit pour peuple, pour moun. La Bible écrit pour un peuple qui électé dès avant la fondation du monde. Moi, nan goumak moun. Non! La Bible, yon moun qui pa électé dès avant la fondation du monde, c'est pour sauver dès avant la fondation du monde. C'est difficile pour comprendre le langage là. Wilmino Calix, mon ami, troisième promotion, me salue aux salutations spéciales. Maintenant, Somme chapitre 106, le verset 36 à 39, on lit. Bible en amène. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège, le fait que Israël adorait statue. Yo confectionné des choses pour yo adorer l'Éternel fâché. L'Éternel, qui c'est le créateur de l'humanité, li frappé Israël. Ils servirent leurs idoles. Israël servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. C'est pas seulement Haïti. Le vaudouisme, c'est parce que y'a pas trouvé le vrai enseignement. Mais tout ça, y'a fait, c'est un dans Bible. C'est pas le premier peuple qui a servi idole. Pour ne tellement jeter Haïti comme Haïti pas bon dans tel état où il a servi diable, qui diable? Puisque la plupart de yo qui se sont des élus, qui yo tombé dans l'égarement, qui est-ce qu'on est des élus yo? Il y a des élus vaudouisants, il y a des élus ougans, il y a des élus pédérastes. Et pas vrai? Oui! Il y a des électés.
Mais il est tombé dans l'égarement, il a servi idole, Dieu fâché, qu'on l'a autant fixé, Dieu a redressé. Avant de lire Somme chapitre 106 verset 36 à continuer, on montre au gon paquet électrique dehors. Jean chapitre 10, gen yon paquet électé qui dehors. Écoutez ça. Jean chapitre 10 verset 16, yon nan déclaration que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, la parole faite chair, notre Père éternel, que tout monde qui sous, en bas live là, reconnaître le Seigneur Jésus-Christ, pas un agneau encore, il pas le Fils encore, il passe dimension ça, chaque étape yo gon façon pour comprendre expression yo. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est notre Père éternel, il est siégé à sa place initiale. La religion pour comprendre ça. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit à travers l'apôtre Jean, j'ai encore d'autres brebis. Qui ne sont pas dans cette bergerie. Qui est-ce que des maçons loges. Ce sont des brebis de Dieu. Des pédérastes. Ce sont des brebis de Dieu. La religion n'a pas qu'à prêcher ça, m'a dit là. Il y a condamné, il y a voué dans l'enfer. Il y a une question de l'enfer, il y a voué. Ça a été net. C'est comme quoi, les gens fait au père. Alors, il y a raison, il y a fait au père. Il y a pris ça au procédé à pi bien. Dimanche dernier, je vais citer dans l'église, mais on l'a cité. Parce que je vais me peur. Il y a un grain haïtien tellement tombé dans l'égarement, il y a assemblé 2 millions de dollars. Tandis que Haïti a des petits gens qui ont mouru de faim. Ils sont à l'église, ils sont tête chargée. Mon cher, non, ça c'est terrible. Il prend 2 millions de dollars. Il fait cadeau en assemblée. Peuple a tellement aveugle. Entre parenthèses, il y a des petits gens qui prennent zam. Le fait que vous prenez zam, raison zam, parce que vous dans la pauvreté. Parce que vous pas qu'à manger, même vous. Vous n'avez pas qu'à prendre. Des petits gens, ce n'est pas zam qui t'apprend. Dans la misère noire. Et puis l'église a fait fortune. La religion, c'est pas, c'est plus gros cancer que nous avons raillé à travers mon dieu, moi-même. Je ne sais pas si pour vous-même. Quelques prédicateurs quelques besoin, qui besoin fait fortune, qui comprennent que la, qui comprennent fortune après la veille pour tout le temps. Non! Nous devons arriver dans un moment pour nous gagner miséricorde, bonté que Dieu t'a gagné. On quitte ça. On tourne. Somme chapitre 106, verset 36 à 39. Verset 37. Ils sacrifièrent leur fils, touye timounio. Yo touye petit yo, petite fille yo, petit garçon yo, aux idoles. Verset 38. Ils, Israël, oui, répandirent le sang innocent. Israël, on va parler d'Haïti. C'est Dieu, non, Deutéronome 28-28 qui frappe yo d'aveuglement. Hein? Son l'autre être qui a fait ça, c'est Dieu. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leur fils et de leur fille,
qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Israël, peuple bon Dieu, pas seulement Haïti. Verset 39, ils se souillèrent par leurs œuvres. Ils se prostituèrent par leurs actions. Verset 40, pour terminer. La colère du diable, non. La colère de Satan, non. La colère de l'Éternel, alléluia, s'enflamma contre son peuple. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son propre peuple, Israël. Maintenant, la Bible toujours rapporte les démons, toujours des maladies. Les maladies, ce sont des esprits que liés. Et des maladies qui viennent de Dieu. Pas de l'autre être. Jamais l'autre être. L'homme malade ou dit Satan frappé ou, c'est une façon de dire que ou pas gagné, ça ou l'esprit de Dieu, l'esprit de discernement pour qu'on ait à qui soit on a fait. Pas qu'on ait. C'est toujours des maladies que Dieu utilisait, des maladies mentales, sous toute forme. Il y a des mounes. Ils sont pas malades physiquement, mais mentalement, ils sont possédés. Il n'est pas venu de l'autre. Il est venu de Dieu. Quelque part ou tomber dans la désobéissance ou quitter la vraie la ou quitter la voie de Dieu ou tomber dans la désobéissance, donc maintenant on fait ce qu'on appelle la maladie, l'amnésie spirituelle, ou tomber dans la confusion spirituelle. Automatiquement tomber dans la confusion spirituelle, automatiquement physiquement on va l'attaquer. Pour tout bien-aimé qui a écouté, sous besoin guéri, assoyez pendant ma parler là. Ou besoin croire d'abord en Dieu par la foi que vous guéri, automatiquement le corps. Le corps sera guéri. Première guérison doit être faite par la foi. En Dieu, dans le vrai créateur de l'humanité, par la foi. Et automatiquement, ou gain victoire sur ton corps. Le cancer est un démon. Le sida est un démon. La fièvre typhoïde est un démon. La Bible baille liste des démons yo, et la Bible montre que c'est l'Éternel même qui suscite yo pour frapper l'homme. Parce que l'homme pas connaît. C'est pourquoi que prophète Esaïe inspiré la parler dans Esaïe chapitre 1er
Ésaïe chapitre 1er. Il a parlé à Israël. Il a dit Israël, dans le verset 10, je crois. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel, je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux. Non, première partie, yo touye propititio en sacrifice aux idoles. Propititio. Maintenant, l'Éternel a dit Israël, li bouke a sacrifice sa yo. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, la nouvelle lune, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, ouais, quand vous multipliez ou priez, bon, d'ailleurs, ou fin prier aujourd'hui, hein. Prenons, ou priez aujourd'hui, ou fini. Pour la religion, faut la jouer nos côtés quand même. Faut jouer nos côtés pour le prier 7 jours. Gon paquet de tendance. Haïti, gon radio. Nde kon attendé. Yo prié matin. Prié matin pas suffi. Yo prié à midi. Midi a c'est les diables à voler. Ou dans une telle idéologie? Midi. Lè ou pral dormi. La prière son doctrine. C'est l'inspiration de Dieu qui est en vous. La prière, c'est pas un moment lié. C'est en permanence. C'est ça la prière, yé. La prière, c'est pas le jeûne le samedi. Allant veille de nuit. Le vendredi. Allant 7 tours de Jéricho. Moun yo pa jam kachita la kayo, mes amis. Moun yo fou. Y'a cherché bon Dieu. Écoutez, chers téléspectateurs, amis, auditeurs, vous qui nous écoutez à travers le monde, c'est pas vous-même qui vous cherchez Dieu, c'est Dieu qui vous cherche. Vous entendez? C'est pas vous pour chercher Dieu. Si Dieu pas cherché, en vérité, vous mettez toute vie, vous allez chercher Dieu, vous ne pouvez jamais joindre. La Bible dit, dans le verset 15, Ésaïe 1er 15, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. D'ailleurs, prières sont mal faites. Mes amis, gros rosé, oui. Lavez-vous
par l'Israël. Purifiez-vous, ôtez de vous mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Voyons. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Mes prières. Mon prière. Protégez mes prières pour bon Dieu te dire. Protégez l'opprimé. Mes prières. Voyez, elle même parler. Faites droit à l'orphelin. Deuxième prière. Troisième prière. Défendez la veuve. Maintenant, à partir de ce moment, venez et plaidons, dit l'Éternel. Et l'Éternel, qu'on y a pas le coûté, il dit, même le péché au ta rouge, péché au ta comme le cramoisi, le fait qu'on fait prier ça protéger l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Maintenant, même les péchés rouges, ou bien comme yon cramoisi, il péché yo abine blanc comme là. Bon, si Dieu dit péché m'abine blanc, combien fois pour blanc encore? Combien fois pour péché blanc encore, mes amis? Mais, il y a pas de doctrine bas où faut prier pour péché ou blanchir. C'est comme quoi, c'est ou même qu'a blanchi péché. Maintenant, l'Éternel, observer, exhorter Israël. Donc, les démons n'est tout. Ceux qui croient aux démons aujourd'hui croient en des choses qui ont été imaginées par l'homme, c'est-à-dire créées par l'homme. Les assemblées, les dénominations, ce sont des démons créés, imaginés par l'homme. Nous, des choses que Dieu nous a enseignées, la Bible dit dans Deutéronome 32, verset 15 à 24, dernier texte, parce que nous avons un peu le texte, je veux dire. Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. Verset 15 à 24. Lisons ensemble. Israël est devenu gras. Il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Mais il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ça fait l'Éternel fâché. En l'Éternel, faut gras Israël. Li faut venir replet. Li faut venir épais. Maintenant, on choisit abandonner Dieu, son créateur, le créateur. Verset 16. Ils ont excité sa jalousie. La jalousie de l'Éternel par des dieux étrangers. Oui, Dieu fait jaloux. Même rancune Dieu gagne. Ah, il y a des gens qui disent, bon, ah, Frère David ou Récipra. Oui. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers.
Ils l'ont irrité des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qui ne connaissent point. Nouveau, venu depuis peu, que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Le rocher n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Créateur de l'humanité. Tu as oublié le Dieu qui t'a fait engendrer. L'Éternel l'a vu et il a été irrité. Mais l'Éternel a dit Satan. La religion toute journée a joué l'Éternel Satan. Il est tombé dans la confusion. L'Éternel a fait travailler, mais peut-être l'Éternel a crasé tête là. La religion confuse. Yo pas ouais c'est yo confus pour yo détourner de cette voie mauvaise pour venir avec l'Éternel. Donc toute journée à jouer l'Éternel Satan et l'Éternel. Maintenant tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, tu as oublié le Dieu qui t'a fait engendrer. L'Éternel l'a vu, il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit: je leur cacherai ma face. M'a caché face pour nous. Vous ça signifie? M'a caché l'esprit pour nous. L'esprit d'intelligence m'a caché pour nous. Depuis le Seigneur caché l'esprit d'intelligence, qu'on vient de recevoir l'esprit d'égarement automatiquement. Je verrai quelle sera leur fin. Puisque c'est mon créé, mon baloué qui sont fait. Qu'on y a reconnaître ses idoles pour servir. Et mais qu'on y a mettre en condition, ma qui est-ce qui bon Dieu. Je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse. L'Éternel a juré. Juré, yo. L'Éternel en a fait peupler petit lit. La Bible pas jouré moun qui pas sauvé. La Bible pas jouré moun qui pas électé. La Bible, l'inspiration de la parole, l'exhorter moun qui sauvé. Moi, j'ai un paquet moun qui a fâché, le fait que l'évangile prêché. Non, qui sont rien. Ou pas gen ni l'eau ni pas ou pas dans sauvé. Ou considérons ou pas sauvé. Qui rapport rien avec bagay moun, bagay spirituel que Dieu a bras les oreilles petites li. La Bible dit, c'est une race perverse. Ce sont des enfants, ou comment j'ai duré l'île, Israël, ce sont des enfants infidèles. La religion même identifie qui ça fait infidèle. Maintenant, ce sont des enfants infidèles, verset 21. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Dieu a excité au tout. Mais non! Je les irriterai par une nation insensée, verset 22. Car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits, l'Éternel lui. On me dit, c'est diable qui a fait ça. Qui diable? L'Éternel qui diable là. Il dévorera la terre et ses produits.
Il embrassera les fondements des montagnes. Les événements. J'accumulerai sur eux les maux. Soulignez ça. L'Éternel dit, m'a fait venir tout mal sous nous. En j'aime Satan, on peut pas garer, bon monde. Qui possède l'esprit d'égarement, c'est l'Éternel. Son façon pour croire dans lui seul, pour adorer le seul, pour louer le seul. Au nom du diable, ou non craser tête Satan, au nom de Jésus, ou craser tête diable, qui diable? L'Éternel dit, j'accumulerai sur eux, sur Israël, les maux. Tout mal net, moi-même, m'a multiplié sur eux. J'épuiserai mes traits contre eux. Toutes âmes m'a frappé noir avec elles. Verset 24 pour terminer. Ils seront desséchés par la faim, l'Éternel. Enlève nous, pays d'Haïti, c'est le diable qui a fait ça? Non, son façon pour Haïti, fixer les yeux seulement sur Dieu, sur le créateur de l'humanité, période. Qui diable ça? Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre. Sida vient de Dieu. Cancer vient de Dieu. Ce sont des démons, ce sont des esprits. C'est fouette bon Dieu pour les électés, les élus. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre, par des maladies violentes. Sida sont maladies violentes. On comprend. C'est parce que tu es en relation. Non. Vale moun qui prend plaisir. Parce qu'on détourne de la voie de Dieu. Hein? Il barre ou non plaisir quand il s'en remet. Li barou nan plaisir ça puis voyons li pon maladie violente li voye sou o se moun k ap fèm c'est un tel qui va vle wèm en l'Éternel qui va vle wèm voilà c'est frère tel c'est saint tel qu'on y a vinn susciter yon ray l'autre yon a veye l'autre pa gran ensemble religion qui va diviser yon ak l'autre parce que yon a suivi l'autre, yon pa konn la parole. Pas une association pasteur qui pa yon a veye l'autre parce que yon pa konn la parole, ce sont des égarés spirituels yoye. Yon a suivi l'autre. Yon pa konn nan l'autre. Parce que peuple a tombé de la confusion. Dieu jeté l'esprit d'égarement sur peuple ça. J'enverrai, le verbe envoyer, j'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces. Et le venin des serpents. Moun ki gen oreille pour tande, ça l'esprit de Dieu dit. Ça, c'est les démons de l'Ancien Testament. La désobéissance by des démons, by des maladies mentales. Il y a des pasteurs qui sont malades mentalement. Faut l'Esprit de Dieu réclamer yo. Même le yo a prêché yo malade mentalement. Ce sont des démons que vous possédez. Qui est-ce qui baille? Dieu.
Ou à écouter édition Hébreux 13:8 qui cadeau toute vérité. C'est to be or not to be. Prenez à laisser. Juste sans faire démagogie, jeûner chaque samedi. Ça pas rapporter rien. Suspendre, faire veille de nuit chaque vendredi. Rete la caillou, on va vendre mari ou on va vendre madame ou. Suspendre, prend tout son possédé pour ton assemblée. C'est pas pour ça que Christ est venu. Suspendre. On qui a des oreilles spirituelles qui pourtant détendre. À bon entendeur, salut. Merci en pile pour tout le monde qui t'a écouté l'édition Hébreux 13:8. Chaque dimanche, à partir de 7h30, dimanche prochain, si Dieu veut, si Dieu le veut, nous va parler des démons du Nouveau Testament. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et nous allons mettre au clair le monde qui a mis Hébreux 13:8. Ou pas le démon, c'est pour l'autre esprit vrai. Ou même cap coûter. Il est tellement de contrôle situation. Il dit dans le psaume 103. C'est lui qui voit les maladies. Il est caguéri. Et moi, tu me fais? C'est lui blessé, c'est lui caguéri. Deutéronome 32. C'est lui blessé, c'est lui guéri. C'est la raison pour laquelle il dit David, le prophète David, dit Israël, c'est moi-même qui guéris toute maladie parce que c'est moi qui ai racine. Toutes amis Hébreux 13:8, rete la caillou, étendez l'évangile Hébreux 13:8. Suspend 40 jours, crasez tête Satan chaque année. Mais si nous crasez tête Satan aux États-Unis, pas gain. Mes amis, c'est la psychologie n'est yo utilisé pour faire tintin grimace. Ouvrez-nous. Adorez le vrai Dieu, le vrai créateur. Adorez le créateur au lieu des créatures. On dit des oreilles pour t'en détendre. À bon entendeur, salut. Merci en pile pour tous les amis qui t'ont écouté. Rete branché. Édition Hébreux 13:8 chaque dimanche à partir de 7h30. Ou bien allez sur YouTube taper David Sirail, D-A-V-I-D. Sirail, C-I-R-I-L. Et puis vous avez gagné tout l'essentiellement. A bon entendeur, salut. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez ça. Merci en pile toutes amis qui t'ont écouté. À semaine prochaine. C'est Bernadette. Bonsoir. Bonne soirée. Et à la prochaine. Merci en pile.